t'es surpris en début de match, on prend un essai rapidement. Il semblait qu'on était plutôt en place, après un peu trop chez nous, mais bon, c'est à qui il marque, ça nous met un coup sur la tête, après on tombe un peu dans nos travers, discipline. Heureusement, on a pu compter sur le manque de réussite de leur buteur pour pas être trop pris au score, même si à la mi-temps, le score il est un peu lourd. Mais non, oui, je ne sais pas si c'est de la peur ou des vieux démons qui reviennent, mais bon, heureusement, on a réussi à redresser le truc. Aujourd'hui, ce scénario bon, qui nous est favorable, il était plus que compliqué pour nous après une mi-temps catastrophique, on va dire. C'est sûr que, voilà, encore une fois, c'était pas un match pour les cardiaques et heureusement, ça nous a profité. À ce moment-là, c'est très compliqué. On passe à 14-0, je crois, ou 12-0, et on se dit qu'on a pratiquement deux pieds en Pro D2. Et voilà, je sais pas, il y a eu ce déclic qui est arrivé et on n'a pas voulu mourir comme ça. Bon, ce soir, on n'a rien gagné, mais on a quand même gagné le droit d'espérer encore et de rêver. Et j'espère que ce soir, il s'est passé quelque chose dans l'équipe et que ben voilà, on va tout faire pour remonter au classement et sortir de cette zone-là. On avait tendance à des moments comme ça, compliqués, à lâcher, prendre 40 points. Et là, je sais pas, il y avait tout contre nous, on était 14-0. Voilà, je sais pas, il y a des choses qui s'expliquent pas. Et pour une fois, ça, par rapport au début de saison, ça a tourné pour nous. Et voilà, comme j'ai dit, on n'a rien gagné. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de soulagement. On a fait ce tournoi à le public qui était magnifique, qu'il faut remercier parce qu'ils ont énormément soutenu. Mais voilà, comme j'ai dit, ça nous permet d'encore d'espérer. À la mi-temps, je pense qu'il y a eu un très très bon discours de Mauricio qui nous a fait réagir. Qui nous a dit de ne pas mourir comme ça et voilà, il nous a dit des choses dans les vestiaires qui ont fait que voilà, on a relevé la tête et on a montré que cette équipe avait encore du cœur. On parlait beaucoup avec les joueurs ces derniers temps. Il nous fallait un déclic. J'espère que faire le match à 14 contre 15, 75 minutes, prendre un essai assez simple comme on a pris en début de deuxième mi-temps, c'est pas simple. Mais je crois qu'on s'est en sorti parce qu'on a continué à jouer au rugby d'abord, hein, parce qu'on n'a pas lâché les bras, parce qu'on était solidaires. Parce que comme je dis toujours, quand un groupe y vit bien, on le montre sur le terrain. C'est ça, et à la base, je crois qu'on est dans le rugby pour vivre des moments comme aujourd'hui. Moi, j'aime bien les équipes qui transmettent des émotions, qui transmettent des sentiments. C'était le cas aujourd'hui. C'est un équipe qui mettait la chair de poule. Et que je crois que tous les supporters qui sont venus aujourd'hui au stade, à la fin du match, ils ont envie de pleurer. Et c'est beau. Hein. J'espère que ça va nous servir de déclic.